have room to change the grow. Even the genetic encoding is able to slightly vary itself for future generations to come. Every breath that I'm taking, every word that I say, every piece of my heart that I give away. Every breath that I'm taking, every word that I say, every piece of my heart that I give away. It's changing the world, changing the world, changing the world inside of me. Yes, it's magnetic waves emanate from my chest like a drum beat out to the world when your rhythm ain't changed. The first new month, even the genetic encoding can trace itself to a single common cell. To check out of myself, I am reflected in stars, nebulous, off from my infinite power. Every breath that I'm taking, every word that I say, every piece of my heart that I give away. Every word that I'm taking, every word that I say, every piece of my heart that I give away. We've got a workshop happening here, so I'd invite you, if you're staying, to come sit near the front. S'il te plaît, viens chez nous, au plus proche. On va parler avec the Honorable Nicholas Graydon from New Brunswick, but we want it to be a more intimate atmosphere. On veut que c'est plus intime. Alors viens s'asseoir près du.
Like a sharing person. No? I wonder if we can move this table back a bit. Can I move this table back a bit, you think? I don't want nothing to stumble. I'll see you later. I'll move in it. You can get it back a little bit further. Can you hear? No? Yeah. Hello, everybody. We're really happy to have you here with us for this workshop. My name is Genevieve Gallant, and I'm a director at Development and Peace. And it's my privilege today to introduce you to my friend, Graydon Nicholas. Now, I checked, he's got letters at the front of his name and at the end of his name, but he's kind enough to go with Graydon Nicholas. But Graydon is well known throughout Canada and throughout Catholic circles. Graydon is the first person to get a law degree this side of Montreal as an Indigenous person. Well, let me get through it, right? It's going to be a long workshop if it's just his achievements. But as well, he's the first Indigenous person chosen for a provincial court. So he's been a judge, as well as a lieutenant governor for the province of New Brunswick, first Indigenous person, province of New Brunswick in that position. As well, Graydon is active with the Knights of Columbus, with Development of Peace, and probably every other Catholic organization in Canada, including the Aboriginal Council, which has been an important opportunity for the Catholic Church to learn from Indigenous people. And Graydon has sat with me on the Our Lady of Guadalupe Circle over the past 5 or 6 years, however long we've been doing that. And so it's a great honor for me to welcome him and to invite him to share his reflections about his experiences with you today. Oh, merci beaucoup. Je m'excuse, j'avais pas le bon, la bonne chaîne. Merci pour votre présentation. Il est bien de vous voir ici dans un cercle et derrière aussi, en arrière aussi. On dit dans notre culture que les aînés s'assoivent en arrière et que la personne qui parle dit la vérité.
Alors, je vais faire plus attention aux aînés. C'est bien d'être là dans un territoire Mi'kmaq et Chibokteuk qui est le nom Mi'kmaq pour Halifax. Et c'est ici à Halifax où la première évangélisation a eu lieu avec le baptême de Member 2 le juin 24 1610, il y a longtemps. Mais c'est à ce moment qu'il a accepté de devenir un disciple de Jésus parce que les missionnaires lui a convaincu que Jésus est un homme de la paix. Et il a convaincu que Jésus avait une grand-mère qui s'appelait Sainte Anne. La raison que je vous dis ces deux choses, c'est parce que dès le début, l'évangélisation qui a eu lieu, qui s'est enracinée dans les provinces maritimes, était basée sur de bonnes relations avec les peuples autochtones et l'Église catholique. Il a encouragé les missionnaires à apprendre la langue des Mi'kmaq et il a dit, je veux que vous rencontriez mon peuple parce que comme grand chef, il était le chef de tous les Mi'kmaq dans la région atlantique. On sait que les Mi'kmaq et le Grand Conseil ont leur propre forme de gouvernement. Ça existe toujours, leur propre langue, leur propre façon d'enseigner, leur propre spiritualité et leur propre façon de partager les connaissances d'une génération à l'autre. Le grand chef que j'ai connu était Donald Marshall Senior. Quand j'étais jeune, comme avocat, avec les deux Premières Nations, les Mi'kmaq et le Wolastoqiyik, dans le temps, on nous appelait des Malicites, et un chef de la Lennox Island, Sark, qui a décidé de faire partie de notre groupe. Mais dans les années 70 et 80, les chefs de toute la région atlantique se réunissaient régulièrement. C'est là que j'ai eu la chance de connaître le grand chef Donald Marshall Senior. Quand vous êtes la seule personne avec des connaissances juridiques dans une association, on me demande, est-ce que vous pouvez m'aider avec ceci? Est-ce que vous pouvez m'aider avec cela? Et quand on fait ça à temps plein, on a beaucoup de clients, beaucoup de choses qui ont besoin d'être réglées, soit par des agences gouvernementales ou par les cours ici en Atlantique, ainsi qu'au national. Alors, c'est dans cette atmosphère que mes aînés ont commencé à me former. Et quand j'ai dit mes aînés, ils me disaient, Graydon, vous avez plein de lettres derrière votre nom. C'est comme la soupe alphabet de Campbell's. Et tu as bien appris, tu t'en sais beaucoup. Cependant, il y a quelque chose qui manque dans tes connaissances. Vous ne connaissez pas les méthodes traditionnelles de notre famille parce que jamais vous les avez apprises. Les universités où vous avez étudié, les cours que vous avez suivis. Alors, sachez que vous pouvez apprendre. Alors, ils ont commencé à m'enseigner les façons traditionnelles de nos peuples ici, sur notre territoire. Et c'est pour ça que ce moment, le 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste, quand la première conversion a eu lieu sur le grand chef Member 2 et sa famille et autres. Et grâce à cette première vague, les Mi'kmaq sont la seule
tribus qui ont un lien direct avec le Vatican. C'est évident à cause de la loi sur les relations entre les gouvernements, les Mi'kmaq dans cette situation et les représentants du Vatican. Et j'ai appris cela et j'ai aussi appris les traditions de mon peuple, les Willistogwi. Vous avez lu, il y a des Mi'kmaq, des Malécites et des Passamaquoddy dans la région atlantique. Le nom Malécite qui nous avait été donné était vraiment un mot proposé parce que mes sœurs et frères Mi'kmaq qui avaient eu des contacts, quand vous parlez aux Malécites, ils parlent très lentement. En français, Mali, ça veut dire un peu malade, sec, c'est qui ils sont. Ah ça, je viens du groupe de gens qui parlent lentement. Alors, il y a des compétitions entre les Premières Nations. Nous avons nos frères et nos sœurs de Penasquak et de Passamaquoddy qui vivent dans la région ouest du Nouveau-Brunswick et dans l'État du Maine. Et avant le contact européen, nous avions notre confédération, la confédération Wallinaki, ce qui veut dire voici où le soleil se lève et Waba qui nous sommes, parce que nous sommes ceux qui voient le soleil en premier à chaque jour. Alors, c'était une. Il y avait des aspects culturels, économiques, sociaux entre les Premières Nations pour survivre, pour vivre des terres. C'est la terre qui nous a appris comment survivre. Notre spiritualité est vraiment ancrée dans notre façon de vivre à cause de la terre et la mer et tout ce qui ressort de ce qu'on appelle la mère nature. Alors, c'est ce que j'apprends, j'ai appris et je ne sais pas si j'ai été un bon élève, mais si j'oublie quelque chose, la deuxième rangée va me le dire. Graydon, je suis contente que ma femme est en avant et pas en arrière. On va célébrer un anniversaire important le 28 juin. Elle m'endure depuis plusieurs années. On s'est mariés en 1969. Alors, ça va être notre 53e anniversaire. C'est à elle que vous donnez un coup de main. Pensez, elle qui m'a adouci. Je suis née avec beaucoup de choses qui me dérangeaient. Quand j'ai commencé la première année, j'avais 5 ans. Et à la fin du mois de juin, quand on recevait notre bulletin, j'ai reçu mon bulletin, je l'ai apporté chez nous, et elle a dit, je veux voir ta carte, ton bulletin. Elle a dit, oh non, est-ce que j'ai pris le mauvais bulletin? Tu n'as pas réussi ta première année. Je savais les mots, mais je ne pouvais pas lire. Alors, je ferai l'express Tim Hortons, je vais réessayer. Alors, l'été de 1952 a été difficile pour moi dans ma communauté parce que les gens se moquaient de moi. Il a échoué la première année et quand ton nom est Graydon, un jeu de mots anglais, grade, did you grade?
Alors, quand on entend ça dans sa propre communauté, ça crée des doutes et ça nous mène à se douter et à être un peu fâché. Alors, je ne respecte pas mes aînés qui permettaient aux gens, aux enfants de me taquiner. Alors, j'ai enterré ce sentiment à quelque part en moi. Et les psychologues et les sociologues disent pour survivre, on enterre la douleur dans son esprit, dans son corps, et de temps en temps, ça nous revient. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'amérité. Quand je suis devenue un avocat, j'étais dure contre le gouvernement parce que je n'aimais pas la façon qu'ils avaient traité mon peuple et je me suis dit, je vais me servir de toute connaissance que j'ai acquérie pour battre le gouvernement à mort. C'était ma façon de prendre ma revanche au gouvernement pour ce qu'ils avaient fait. Je me suis servi de ma formation, j'ai milité, j'ai recherché pour faire ce que je pouvais pour gêner le gouvernement. Voilà pourquoi ma femme m'a un peu calmée, ma mère aussi. Mais c'était au mois de mars en 1986, j'ai fait une retraite avec les Jésuites à Guelph que j'ai commencé à guérir. Mon directeur spirituel, la bonne femme qu'elle est ou qu'elle était, a dit, Grady, il y a quelque chose qui te dérange? J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Tu ne m'as pas parlé de ta vie. Qu'est-ce qui t'a causé ces douleurs, cette douleur? Flashbacks. Des rappels à 1952. Je lui ai expliqué que j'étais blessée quand j'avais 6 ans. Elle m'a demandé prendre la prière de John, où Jésus lave les pieds de ses disciples, même celui qui allait être son traître. J'ai dit non, tu taquines. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Christ. Pourquoi je devrais pardonner ces gens qui se sont moqués de moi? Ils ne méritent pas d'être pardonnés. Parce que j'ai souffert en 1952 et depuis. Elle m'a dit, pense à la prière. J'ai résisté, croyez-le ou non, et je me suis battue avec Jésus. Je lui ai dit, c'est plus facile pour toi de le faire. C'était votre mission que votre père vous a donnée. Mais je n'ai pas cette mission. Alors, quand on a la difficulté à dormir, on ne peut pas se reposer. J'allais dans la chapelle à 3 heures du matin. Et j'ai demandé à Jésus de m'aider. Vous devez tenir le bassin parce que ça va être difficile pour moi de vous regarder dans les yeux, vous regarder dans les yeux de ces gens. Mais j'ai fini par laver 300 paires de pieds de 3 heures du matin jusqu'à 5h30 du matin. Bien dormi. Le lendemain après-midi, ma directrice spirituelle a dit, Wade Grady, maintenant, je veux que il te lave les pieds pour que vous pouvez être entièrement pardonné. La majorité de ces gens étaient morts. Mais je l'ai fait. Et je les encourageais. Grayton peut le faire. Vous pouvez le faire. Faites-le avant que l'eau soit trop froide.
Alors, même en prière, on doit avoir un sens du mouvoir pour pouvoir être humble, pour pouvoir réaliser que vous êtes là pour une raison. Le Seigneur vous a créé pour une raison du moment que vous avez été conçu jusqu'à votre vie quotidienne. Voilà pourquoi j'ai quitté cette retraite en mars 1986 avec une vie renouvelée. Où je sais, malgré la douleur que je ressens, il y a toujours une façon de porter fruit avec ce sentiment pour ne pas écraser l'esprit à l'intérieur comme ça l'a fait pour moi pendant plusieurs années. Et puis, ce n'était pas important si je gagnais ou si je perdais en cours. Je partageais mes capacités de militant dans un mouvement politique, juridique, tout milieu où on doit avoir espoir. Voilà pourquoi j'aime votre devise, créer l'espoir, nourrir l'espoir. Votre association crée l'espoir, crée des occasions. En vous regroupant, une réunion d'esprit, de cœur, de volonté pour que vous passiez au-delà de vous-même, que vous agissiez au-delà de vous-même, parce que vous êtes là pour représenter des gens qui n'ont aucune voix, des gens qui n'ont aucun pouvoir. Les gens qui sont à différentes étapes dans leur vie, de vous rejoindre pour que vous puissiez les aider. Voilà la beauté de votre mission. Vous avez 55 ans et quand j'avais 40, j'avais hâte à la liberté de 55, surtout quand on est impliqué dans la politique, le juridique et toutes les luttes. J'avais tellement hâte de voir le coucher de soleil pour prendre ma retraite. Mais je ne suis pas encore à la retraite. J'ai 76 ans. Mais je voulais vous donner cette histoire de fond parce que pour nos frères et sœurs autochtones, il est important que vous vous essayiez ensemble et que vous écoutez, de parler, de prier, prier pour la force, prier ensemble pour être guéri, pour être pardonné, parce qu'on ne peut pas prendre la prochaine étape avant que ça se fasse. Voilà le défi qu'a notre collectivité catholique au Canada maintenant. Je suis impliquée avec l'Église longtemps. Je me souviens d'être à Toronto en 1991 à un congrès. On a demandé comment est-ce qu'on allait célébrer 500 ans de contact. C'est comme si on nous demandait comment célébrer 500 ans d'oppression, de subjugation, colonisation et le manque d'humanité. Parce que voilà ce que nous avons souffert et on continue de souffrir à cause du rôle de l'Église catholique. Ce n'était plus ce qu'on avait vécu par le grand chef Mambutu en 1610, quand on lui a dit que Jésus était un homme de la paix, que Jésus était un homme d'amour, que Jésus a une grand-mère et un grand-père. Mais le peuple indigène, on respecte beaucoup la grand-mère parce que la grand-mère avait plus de patience avec les enfants. Alors, Sainte Anne devait être très patiente avec Jésus dans son enfance. Mais c'est une des choses qui m'a convaincue. L'autre chose, les premiers missionnaires savaient qu'ils devaient identifier Jésus comme étant autochtone. Sinon, pourquoi le suivre?
Donc, en tant que catholique, on sait ce qui s'est passé avec l'incarnation. Pourquoi Jésus est devenu humain? Le catéchèse que j'ai été enseigné, vous aussi, peut-être avec de plus grands mots maintenant, ils ont dit, Jésus est indien. Jésus est autochtone, il est Mi'kmaq, il est Wolastoqiyik, il est un de nous. S'il est un de nous, on apprend à le connaître comme notre grand frère. Alors, voilà comment on a vécu au début. Malheureusement et tristement, ce trajet a pris des courbes horribles et l'Église catholique au Canada a créé un partenariat avec le Canada pour créer les écoles résidentielles, les pensionnaires. Ils ne nous ont pas demandé comme peuple Wisuag et Mi'kmaq ou tout autre peuple autochtone de ce pays. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous enlève vos enfants, qu'on les envoie à des centres d'éducation pour qu'ils soient comme nous? Si on regarde l'évangélisation, est-ce que Paul a dit aux Grecs, envoyez vos enfants, les enlever de leurs enfants, de leurs bras, de leur peuple, de leur culture, de leur tradition? Non. Comment se fait-il qu'ils ont dit que c'était correct de coloniser les peuples indigènes, les peuples autochtones? Pourquoi? Parce qu'au début, ils pensaient qu'on était des païens. Ils ne comprenaient pas nos façons spirituelles. Ils ne savaient pas qu'on avait une culture, un gouvernement, un système d'éducation et des relations entre nous pour s'entraider. On n'avait pas besoin des 10 commandements. On n'avait pas besoin du serment du mont. On vivait, on l'apprenait dès le début. Mais par contre, à un moment donné, ils ont pensé que nos valeurs spirituelles n'étaient pas assez bonnes pour suivre Jésus. Et le gouvernement voulait éliminer nos gens pour qu'ils puissent se développer. Ils ne seraient pas là où on voulait installer les voies ferrées, des industries, etc. On parle de découverte, les documents qui étaient là pour justifier que les Européens pouvaient coloniser nos peuples sans avoir peur parce qu'ils avaient la loi de leur côté. Imaginez des enfants de 5-6 ans qui étaient enlevés des bras de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur communauté, envoyés à des places lointaines en leur disant qu'ils voulaient les éduquer. Et le moment qu'ils y arrivaient, ils ne pouvaient pas parler leur langue, ils ne pouvaient pas exprimer leur culture. Ils ne pouvaient pas, comme frères et sœurs, d'avoir des interactions. Et ils étaient dans des écoles 10 ans parfois plus longtemps. Imaginez l'absence d'amour dans le cœur et l'esprit de ces enfants parce qu'ils n'ont pas été élevés dans une famille. Alors, comment apprendre à être une mère ou un père? Comment savoir? Que faire? Comment vivre avec cette douleur, cette souffrance, cette humiliation à cause d'abus, de punition au nom de Jésus-Christ? Vous pouvez voir que pour vivre avec ces douleurs, on est devenu
dépendant d'alcool et de stupéfiants. Alors, des familles dans ce pays qui ont des problèmes intergénérationnels, pas créés par nous, mais par les gens en pouvoir, nos églises, notre église, pas seulement les catholiques, hein, parce que les anglicains, l'Église unie, les presbytériens, et même les baptistes pensaient que leur Dieu était meilleur que notre Dieu, même si parmi eux, toutes ces églises ne pouvaient pas croire qui était le vrai Dieu et avaient créé plusieurs églises et pensaient que notre peuple allait se demander est-ce que Jésus a des catégories, des différents groupes. Vous pouvez imaginer que c'était troublant pour les gens. Pourquoi? Pourquoi? Alors, cette douleur revient à la surface dans une façon de un milieu de grâce avec la découverte de fosses non marquées en Colombie-Britannique le mois de mai passé. Et l'ouverture de la conscience de toute personne non indigène, non autochtone, se demanda comment ça a pu se faire. Comment ces enfants peuvent-ils être enterrés sans qu'il y ait des statistiques, des formulaires administratifs qui expliquent ce qui s'est passé? Leurs parents et leurs familles n'ont pas été avisés du décès des enfants. Ils ne sont jamais rentrés à la maison et leurs familles n'ont jamais su ce qui s'était passé. Et pourtant, ce qu'on disait aux parents, c'était « on va prendre vos enfants, on va les éduquer, leur enseigner, les civiliser, ils vont revenir par après. » Trop d'enfants ne sont pas rentrés. Et parmi les enfants qui sont rentrés, c'est les réalités intergénérationnelles auxquelles font face les Autochtones dans notre pays sont réelles. Elles existent encore. Vous n'avez qu'à regarder les statistiques. Les taux de suicide chez les personnes autochtones, les communautés autochtones qui sont les plus élevées. Regardez les statistiques en matière de dépendance chez les Autochtones. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les statistiques par rapport aux populations carcérales, les hommes, les femmes autochtones dans les prisons. Pourquoi? Pourquoi? Les routes, les racines remontent à très, très loin. Plus de 300 ans de colonisation. Quand on est traité comme personne, comme si on est personne, c'est comme être ridiculisé par sa propre communauté. Moi, je l'ai caché, comme je vous l'ai confessé. Je suis devenue un homme très amer. Une chance que j'avais une femme extraordinaire, une merveilleuse femme, pour m'aider dans mon rétablissement. Je ne suis pas allée au pensionnat. Et c'est important. Vous comprenez ce que je vous explique. Beaucoup de choses ont été écrites. Maintenant, vous êtes au courant des 94 appels à l'action. Vous êtes au courant du fait que les systèmes d'éducation contrôlés par la province n'enseignent pas aux élèves tout ce que je vous ai dit. J'enseigne à l'Université Saint-Thomas et j'enseigne au sujet des enjeux autochtones. Et les gens, les étudiants viennent à notre université et plusieurs d'entre eux ne sont pas au courant de ce que je viens de vous expliquer. Et comment est-ce que je peux leur expliquer dans le cadre des sciences politiques, de l'histoire, de la religion, ou les psychologues, les sociologues, la philosophie, des philosophes en devenir, des travailleurs sociaux? Toutes les professions, peu des professeurs dans ces disciplines enseignent à leurs étudiants la réalité des écoles résidentielles, des pensionnats. Pendant mes 3 années en droit, de 68 à 71, je n'ai eu qu'un seul cours qui mentionnait les Autochtones. Jamais l'histoire
des terres qui ont été enlevées. Nous étions presque comme des prisonniers. Quand j'ai étudié, quand j'ai fait ma maîtrise à Laurier en travail social de 1972-1974, dans mes deux années d'études, il n'y avait aucune mention des douleurs infligées aux Autochtones. Donc, nous avons beaucoup de rattrapage à faire. Je ne sais pas quel type de parcours professionnel vous avez. Je ne connais pas vos associations religieuses ou les agences gouvernementales dont vous faites partie, mais vous êtes impliqués dans cette question. Vous êtes impliqués parce que vous êtes des êtres humains. Vous êtes impliqués parce que vous avez les gens à cœur. Vous êtes impliqués parce que vous avez probablement des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants, qui ont besoin de savoir ce qui s'est produit au Canada de 1610 à nos jours. Vous devez le savoir et leur parler de ce que vous entendez ici aujourd'hui. Pas juste de moi, il y a toutes sortes de ressources. Si vous allez dans les cafés branchés, vous pouvez dans ces cafés leur dire, ah, il y a la journée du T-shirt orange le 30 septembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la journée autochtone nationale mardi prochain. Comment célébrer cette maison? Dans notre foi catholique, nous avons la journée nationale de prière et de solidarité avec les peuples autochtones qui est célébrée chaque année. C'est drôle d'en arriver ici parce que quand je me suis mise à m'impliquer en 1998 jusqu'à 2004 dans le conseil apostolique avec des organisations religieuses, des laïcs et des peuples autochtones, c'était une grande lutte. La première chose que nous avons fait, c'est enlever la table et s'asseoir en cercle. Parce qu'en cercle, mathématiquement, chaque point du cercle, autour du cercle, est nécessaire. Si nous ne sommes plus en cercle, ce n'est plus de l'égalité. Et c'est ce qui était difficile pour nous dès le départ. De convaincre les autres de s'asseoir dans un cercle. Vous m'écoutez, je l'apprécie, mais dans un cercle, une personne parle et toutes les autres personnes écoutent avec grande discipline parce qu'on doit attendre notre tour et quand notre tour arrive, on oublie ce qu'on voulait dire à la personne. Mais toutes les voix sont également importantes au sein d'un cercle lorsqu'on partage. C'est pourquoi notre peuple, traditionnellement, veut s'asseoir en cercle. L'âge ne compte pas, le genre ne compte pas, l'éducation, les qualifications professionnelles, nous avons des cercles d'égalité. Et c'est en cercle que nous célébrons notre spiritualité. Je demandais à Geneviève, je lui disais, « Wow, qu'est-ce que tu me donnes ici? » Donc, en cercle, on passe une pierre ou une plume ou une carte qui vient de m'être donnée par le cardinal et on disait, voilà, c'est à ton tour de parler. Garde cela. Et c'est comme ça que notre peuple existait. C'est notre spiritualité. Nous commencions chaque cercle avec une prière et fermions le cercle avec une prière de la gratitude, et évidemment, pour nous. La gratitude envers Dieu. Rapidement, ça revient. Ce conseil autochtone que j'ai joint en 1982, qui a cherché à changer de nom pour le Cercle de Notre-Dame de la Guadeloupe, et mon ami ici à ma gauche, il siège, et d'autres personnes, et nous discutons en cercle de ce que nous pouvons faire. J'essaie de dire, les peuples autochtones sont aussi faits à l'image du Créateur, de Dieu. Le chapitre d'ouverture de la Genèse, ce qu'il nous dit,
Dieu n'a pas fait exercer de discrimination. Dieu a dit, et les êtres humains sont faits à mon image. Donc, pour les Autochtones, nous sommes faits à l'image de tous et chacun d'entre vous. Nous ne sommes pas meilleurs, nous sommes les mêmes. Nous avons nos propres fragilités. Parfois, elles sont bien cachées. Parfois, nous pouvons les partager. Donc, si nous avons été placés ici dans le monde par notre Créateur, à l'image de notre Créateur, c'est peut-être un chapitre qui manque de la Bible. Pourquoi le Créateur nous a donné une langue différente de la vôtre? Parce que Dieu voulait que chaque personne autour du monde puisse communiquer les uns avec les autres et voulait également s'aider les uns les autres. Et il n'y a pas une langue qui est plus importante qu'une autre. Il n'y a pas une partie de la culture qui est plus importante qu'une autre. Et si vous pouvez quitter cette séance en vous disant « Ah, ce Graydon n'est pas si différent de moi, il parle longtemps, mais bon, c'est probablement parce que je reviens d'une retraite silencieuse. Pouvez-vous imaginer le groupe ici qui existe depuis 55 ans, commencer à s'unir les uns les autres avec chacun des talents, des dons uniques que vous avez. Imaginez les personnes envers qui vous allez revenir à la fin de la conférence. Vous allez partager avec eux ce que vous avez vécu ici à Halifax. Vous pourrez leur dire, savez-vous que c'est l'endroit où le premier baptême a eu lieu? Le 24 juin 1610. Waouh, c'était qui? C'était le grand chef Membetu. Et les missionnaires ont dit au Mi'kmaq que Jésus est Mi'kmaq. Jésus est Wosikwi. Évidemment, nous savons que Jésus est grec. Jésus est français. Jésus, c'est toutes ces personnes qui sont créées dans le monde. Nous sommes des frères et des sœurs dans cette planète. Et nous sommes sur ce que nous appelons la Terre-Mère. C'est pourquoi c'est important pour vous de continuer à créer de l'espoir les uns avec les autres. Marcher avec nos frères et nos sœurs des autres communautés autochtones. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Et la seule façon à vivre dans la liberté, l'égalité, c'est en vivant ensemble. Sinon, nous allons laisser des personnes derrière. Nous allons penser que les gens ne sont pas assez bons. Et donc, ce parcours de résiliation, pour moi, c'est un moment de grâce. Et nous étudions les Écritures saintes et nous savons que la grâce vient de Dieu. Dieu fournit la grâce. En tant qu'individu, nous devons être prêts à accepter cette grâce. Dans les retraites silencieuses, dans la retraite silencieuse que j'ai vécue, j'ai fait l'expérience de plusieurs moments de grâce. Je devais être en silence pour entendre la parole de Dieu. Et cette semaine, j'ai participé à environ 30 retraites. Et cette semaine, la retraite portait sur les souvenirs. Les souvenirs de passage de la Bible en lien avec les personnes. C'est la première fois que j'ai vécu une retraite sur ce thème. C'était probablement en préparation pour ce moment. Je sais que nous sommes censés avoir une période de questions-réponses, mais encore une fois, je veux dire une dernière chose pour vous. Si vous avez lu ce que le pape François a dit le 1er avril à Rome,
à Rome, vous allez voir comment son esprit a changé quand il a entendu les voix des survivants des pensionnats. Les prêtres, les cardinaux et les évêques n'arrivaient pas à le convaincre de venir au Canada. Ce sont des autochtones qui y sont allés et qui lui ont parlé de leur souffrance. Et le pape s'est reconnu dans les valeurs autochtones. Il a même fait référence aux grands-mères. Il a parlé de notre culture, nos traditions, notre spiritualité et a presque mentionné la terre-mère. Mais vous savez, quand le pape François a pris la parole en Bolivie, il a parlé de la terre-mère 8 fois. Il l'a mentionné 8 fois. Je lis ces choses-là, c'est comme ça que je le sais. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'attentes à son égard pour sa prochaine visite. Nous savons qu'il n'est pas en santé, qu'il ne peut pas aller partout, mais il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de tellement de personnes, surtout les personnes qui souffrent, parce qu'il doit présenter des excuses et dire que ça n'aurait jamais dû arriver, que c'était mauvais. En tant qu'Église, comment répondons-nous? Comment réagissons-nous? Je vous donne un exemple. En 1984, le pape Jean-Paul II, il était à Midland, en Ontario. Il a dit, le Christ dans son corps est indien. Le Christ dans son propre corps est autochtone. Comment se fait-il que ça a pris tant d'années, de 1984 jusqu'à maintenant, pour réveiller l'Église catholique ou n'importe quelle Église chrétienne qui suit Jésus? Qui a échappé la question en 1984? Nous ne l'avons jamais lu dans la littérature publiée par les organisations catholiques. Je l'ai entendu et j'ai sauté de joie. Pourquoi? Parce que j'ai eu un flashback, un souvenir de 1610, au moment où les peuples autochtones ont entendu la même idée dans cette région. Donc, pourquoi, depuis 1984, nous n'entendons pas ces mots de la part du pape? Est-ce que c'est parce que dans les séminaires, on n'enseigne pas cette réalité aux hommes? Les femmes qui vont dans les couvents ne reçoivent pas cet enseignement? On ne peut pas blâmer les étudiants si les professeurs n'enseignent pas. Donc, quelqu'un s'est endormi. Les gouvernements ont adoré l'idée parce que ça leur permettait de garder le contrôle. La vérité ne sortirait pas au grand jour. Donc, c'est la grâce qui va toucher le Canada. Le pape va présenter des excuses sincères. Et constater que l'évangélisation a pris un mauvais tour quand l'Église s'est impliqué avec les gouvernements dans la colonisation. Et la colonisation, c'est de convertir par la force les personnes pour les forcer à être comme les colonisateurs. Vous le savez, vous travaillez partout dans le monde. Comment restaurer, comment se rétablir, comment réhabiliter, comment entreprendre une nouvelle voie de réconciliation. Donc, mes bons amis, je vais arrêter ici et voir si le reste du temps pour les questions. Merci beaucoup. Merci, Graydon. Avant la clôture, je vais demander, est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps il me reste? Zéro temps? Donc, pour clore et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Graydon.
J'apprécie tes paroles. J'étais dans une fête, ma première fête post-pandémique récemment. Et je parlais avec une amie qui est algonquine et on parlait de la culture, les différences entre les cultures des extrovertis, de l'extroversion et d'introversion. Et plusieurs personnes à développement épais sont des extrovertis, des personnes extroverties. On veut bouger, on veut aller faire des choses, on veut faire changer. Les introvertis sont les personnes qui nous enseignent à étudier, à réfléchir. Et dans les dernières années, j'ai vraiment été frappée de l'importance d'écouter. Si nous voulons aller de l'avant avec la réconciliation, nous devons absolument écouter. Donc, pendant 10 minutes, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de période de questions-réponses, mais évidemment, on n'a pas de période de questions-réponses. Notre travail, c'est d'écouter. Je veux vous remercier d'avoir écouté aujourd'hui avec ouverture et nous allons continuer à écouter. Merci, Graydon. Thanks, everybody. Merci tout le monde. Merci au nom de ma femme. Luke, qu'est-ce qui est au programme? Nos amis vont revenir de l'autre atelier. Nous allons nous rassembler. Avoir un moment ensemble. Un moment de communautaire avant d'aller dîner. Quand tout le monde revient, on va annoncer l'heure du jour ajustée. L'interprète s'excuse, sans micro, c'est très difficile d'entendre. Inaudible, ce n'est pas dans le micro. L'interprète s'excuse. Au cas où vous n'avez pas entendu, le grand groupe va revenir ici pour un moment avant le dîner. Tout ensemble dans la salle. Pour quelques minutes avant le lunch. Merci.